Bonjour à tous, je vais vous présenter ce qui est pour moi mon coup de cœur. Ce sont ces stages sur 4 jours. C'est 3 jours pleins, du matin au soir, on va travailler sur différents aspects. Ces stages, pour information, comprennent l'hébergement, la nourriture et la formation. Vous avez juste à venir et on va expérimenter pendant 3 jours pleins non-stop du matin au soir pour travailler sur plein d'axes. On va ouvrir sur vos facultés dans un premier temps. Ouvrir vos facultés, c'est-à-dire ouvrir sur votre ressenti, ouvrir sur votre clairvoyance, déprogrammer, parce que certains ne pensent pas qu'ils voient alors qu'ils voient. Donc on va faire des expériences pratiques et on va avoir une méthode qui vous permet d'ouvrir tout ça rapidement et de manière très tangible. Ensuite, on va faire du nettoyage subtil, du nettoyage énergétique. Faire en sorte que votre énergie, votre circulation d'énergie, votre ruisseau d'énergie dans votre corps soit fluide. Parce que tout ce qui est congestionné, ces charges, ces blessures, ces chocs qu'on a pu avoir, créent en fait de la non-circulation. Cette non-circulation vient dans sa densification sur le corps physique. Donc plus on va déverrouiller cet aspect-là sur les corps plus subtils, moins on aura de problèmes de congestion dans notre corps. Cet exercice nous permet d'être beaucoup plus dense, ancré, présent ici même. On va travailler sur le nettoyage émotionnel, excusez-moi. Émotionnel, c'est-à-dire qu'on va travailler sur toute la tristesse, la colère, l'amertume, la déception que vous avez accumulée. Toutes ces histoires de « j'ai pas pu dire et faire ressortir toute cette colère qui est ancrée en moi » par rapport à de l'injustice, des choses comme ça qu'on a pu avoir par rapport à des gens de notre famille. On va pouvoir se libérer de tout ce fardeau émotionnel. Ces chocs émotionnels nous pèsent et nous provoquent énormément de choses dans nos vies. Des problèmes au niveau de la gorge, du cœur, on sent que c'est congestionné, on a du mal à s'ouvrir à l'amour. Tout ça vient souvent de blessures émotionnelles. Et on va aller chercher ça pour le libérer au niveau du conscient et de l'inconscient. Parce que ce qu'on fait nous permet de libérer aussi de l'inconscient. Parfois, on ne le sait pas, on souhaite quelque chose, mais on a une partie de nous-mêmes qui s'auto-saborde, qui s'auto-circuite et qui ne le permet pas, ou qui résonne encore à ses blessures du passé. Donc l'idée, on va aller déverrouiller ça au niveau émotionnel pour que vous soyez en pleine capacité de réaliser tout ce que vous avez à réaliser. On va également travailler sur le regard, la perception, la programmation. Parfois, notre regard sur les événements fait qu'on se court-circuite. L'esprit est bête et méchant. Si on dit on ne voit pas, on ne sent pas, on aura du mal à voir et sentir. Et ça vaut pour énormément d'éléments. Si on part au travail en se disant « Oh, ce travail, il est pourri, j'ai hâte de rentrer chez moi, etc. » Tous les jours, votre journée va devenir plus lourde. Donc on va travailler sur ces aspects-là de ce qu'on a condamné, le voir différemment et de s'alléger ce poids. Comprendre la leçon qu'il y a derrière. Voilà. Et enfin, on va travailler sur tout ce qui est réunification et unité en soi. C'est dingue parce que on souhaite des choses et intérieurement on se bloque, on s'auto-saborde. Et cette non-unité en soi nous empêche d'atteindre plein de choses. Voilà, tout ça va nous permettre aussi de développer donc, nos facultés qui vont nous permettre de nous connecter à notre intuition, à notre âme, à nos intelligences supérieures. On peut également se connecter au guide pour ceux à qui ça intéresse. Voilà, c'est un stage qui est dense, qui est puissant en libération, je peux vous assurer, j'en ai fait quelques-uns et les gens sont ravis. Ça fait à peu près 4 ans que j'accompagne à travers des ateliers, mais une dizaine d'années que j'accompagne énormément de personnes sur ce chemin de la libération. Et je vous le souhaite parce que pour moi, c'est un vrai déblocage de vie et un changement de paradigme où les gens voient avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de rayonnement d'eux-mêmes et de contribution au monde. Voilà, je vous le souhaite. Au plaisir de vous retrouver.